Bonjour, bienvenue chez Watts Electronique à Rosières, en Haute-Loire. Donc, comme le nom l'indique, Watts Electronique, c'est une société d'électronique qui est installée dans le département depuis 35 ans, avec un gros savoir-faire et une grosse expérience dans toute la partie électronique, mais également dans toute la partie confort, liée à la maison, liée à la famille et liée également au bien-être des personnes dans leur habitat. La globalité de Watts Electronique produit 4 millions de produits par an. Donc c'est quand même un volume qui est considérable. Et on est souvent derrière, ce qu'on dit souvent derrière d'autres noms, dans beaucoup de thermostats, dans beaucoup de radiateurs, dans beaucoup de ventilation. Dès qu'il y a de l'intelligence, dès qu'il y a un produit qui est un peu connecté, Watts Electronique est souvent présent du départ, dès la conception du produit jusqu'à la réalisation. On est un groupe international. On a aujourd'hui trois sites de production, enfin trois sites pour le pôle. Donc un premier site donc, qui est le siège qui est à Rosières, en Haute-Loire. Et après deux autres entités, une qui est en Colombie-Britannique, donc à côté de Vancouver au Canada, et une troisième site qui est sur Monastir en Tunisie. Donc au total, on a à peu près 700 employés, avec des profils très variés, bien évidemment, hein, de métiers de production, des ingénieurs, du développement commercial. Donc on a vraiment tous les métiers chez nous, beaucoup de compétences, beaucoup dans la partie technologique et effectivement basés partout dans le monde. Historiquement, hein, cette société a démarré il y a 35 ans avec deux employés. Donc vous voyez, on est passé de deux employés en 35 ans à 700. La croissance est là, on continue à recruter, on est sur un site qui est très demandeur en termes d'emploi. Encore une fois, ces emplois peuvent être aussi bien sur la partie production que sur la partie ingénierie et technologie. On expédie, on a des clients dans 40 pays dans le monde aujourd'hui. Bon, la France reste notre pays principal, mais bientôt il sera dépassé. Par l'Allemagne. Et donc on a gros développement, grosse présence en Europe. Et de par notre appartenance à un groupe américain, gros développement au niveau des US. Donc là aussi, on est de plus en plus connu au niveau des États-Unis. Et on arrive maintenant même à aller au-delà de ça, puisqu'on a très récemment eu un client australien qui est venu nous contacter pour dire bah voilà, je voudrais travailler avec Rosières, Haute-Loire, pour développer mes produits. Et ce client-là est leader dans son pays. C'est une terre de compétences et de savoir-faire, c'est aussi des vraies valeurs. Je pense qu'il y a des valeurs fortes dans le département en termes de travail, de volonté et d'apprendre. On a notamment fait un partenariat fort avec Polytech Clermont, où au-delà du Velay, hein, mais ça reste dans la région, on voit qu'on a des ingénieurs qui sont très très compétents, qui sont aussi très en avance sur les nouvelles technologies. Le Puy-en-Velay a également le développement d'un pôle numérique. Donc petit à petit, on s'aperçoit que même au sein de la Haute-Loire, la compétence technique est forte, la technologie est également des choses où on est plutôt en avance et on veut grandir avec les entreprises, avec les pôles. Donc on travaille, je vous ai dit, avec le Polytech Clermont, aussi avec la partie sur le Puy-en-Velay et le pôle numérique qui va se créer. Dans nos recrutements récents et moins récents, on voit que nos postes, on arrive à trouver des postes et des compétences localement. Donc on a un vrai terreau fertile au niveau du Velay et également une vraie attractivité vis-à-vis des autres régions, puisque en France, on a donc des personnes qui viennent des quatre coins de la France, hein, que ce soit des Bretons, des gens du Nord, des gens de l'Est, des gens du Sud. Donc c'est très très intéressant. Et encore même dernièrement, on s'aperçoit qu'au sein de notre groupe, des personnes aux États-Unis, des personnes au Canada nous demandent à venir, viennent ici, visiter, rencontrer les équipes. Elles se plaisent au travail, elles se plaisent à l'extérieur du travail et le cadre est très agréable et découvrent la région. Comme vous avez découvert Watts Electronique, les personnes découvrent la région, découvrent le département et s'y plaisent. Et construisent à la fois une carrière professionnelle et personnelle.